Aujourd'hui, on va aller s'acheter le revolver à lunettes exotiques. Toc, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ok les amis, on va s'acheter le revolver à lunettes. C'est incroyable les gars, meilleure arme du jeu, meilleure arme du jeu. Vous savez quoi, je vais pas prendre de risque, hein. Moi j'ai envie de faire top 1 avec cette nouvelle arme exotique. Bon frérot, je te laisse 5 secondes pour mettre un pouce bleu à cette vidéo. Sinon demain, en te réveillant, tu trouveras une migale dans ton lit. Si j'étais toi, je prendrais pas le risque, alors like et abonne-toi. Yo les frérots, c'est Flo. Aujourd'hui, on va aller s'acheter le revolver à lunettes exotiques. C'est une arme extrêmement rare qu'on peut seulement se procurer à l'aide des lingots d'or que l'on peut directement débloquer sur Fortnite. Et donc aujourd'hui, j'irai l'acheter, je vais la tester. Et j'espère surtout ne pas mourir suite à l'achat de cette arme parce que j'aurais vraiment le seum, j'aurais extrêmement le seum. Avant que la vidéo commence, je t'invite directement à mettre ton petit pouce bleu, ton abonnement, cloche d'éducation si ce n'est pas encore fait. Et le plus important dans la boutique d'objets, soutenir un créateur, code créateur flou, FLOO, exactement comme le nom de la chaîne YouTube. Ce que je pense faire avant d'aller directement en solo pour tester cette nouvelle arme, c'est de voir si en foire d'empoigne, il y a le PNJ en question où je pourrais justement me procurer ce revolver. Et ce que je pensais faire aussi les gars, si c'est possible, c'est vraiment de tester un maximum d'objets, d'armes exotiques, ça serait incroyable de faire ça ensemble. Enfin bref les frérots, on va aller jeter un petit coup d'œil. Je t'invite aussi à mettre dans les commentaires un pseudo Epic Games parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai ce pseudo claqué au sol, hein, on peut le dire. Timo Gaming du 59, c'est claqué au sol. Donc je vous invite à vous la communauté à mettre votre meilleur pseudo Epic Games en commentaire et j'en prendrai un au hasard. Je sais pas du tout lequel mais j'en prendrai un au hasard. Le PNJ en question, il est là. Normalement il est juste dans ce bâtiment si je dis pas de bêtises. Alors let's go baby, on va pas perdre plus de temps. Mais par contre les amis, si le bot il n'est pas en fort d'empoigne, je serai dans l'obligation d'aller en solo pour me l'acheter en fait. Mais j'ai très peur les gars, je vais être honnête avec vous. J'ai extrêmement peur de tomber contre des adversaires qui pourraient justement me la voler, me tuer et me la voler. Ce serait pas très gentil de leur part. Ok c'est bon, normalement les gars il est à l'intérieur de la maison. S'il est pas là j'aurai le seum. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes au milieu? Malheureusement les amis, j'ai pas l'impression qu'il est grand monde ici. Ouais il est sans doute en train de prendre sa douche. Vous savez quoi, ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher la salle de bain. Toc toc toc, vous êtes où monsieur? Visiblement il n'est pas dans la cuisine. Mais où est-ce qu'il est caché? Ah c'est bon les gars, non. Ah bah non pas du tout, je pensais qu'il était là parce qu'il y avait du bruit mais non il y a personne ici. Bon les amis, comme vous l'aurez compris, je suis dans l'obligation d'aller en solo pour aller m'acheter cette arme exotique. La prise de risque dans cette vidéo est énorme, hein. Vous en rendez pas compte les gars, mais 1200 lingots d'or parce que c'est comme le prix du revolver, le prix de l'arme que je vais acheter. 1200 lingots d'or, c'est énorme, je sais pas ça prend exactement combien de temps, mais ça fait un paquet de contrats ma petite gueule. Pour cette game les amis, je serai accompagné de Fishney Hydro, il va m'accompagner pendant cette aventure. Ok let's go baby, on est actuellement à 1841 de gold, ce qui est énorme les gars. Et il me semble du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, le revolver il doit être approprié approximativement à 1275 d'or. Donc on a largement assez. On a largement les ressources nécessaires pour se le procurer. Ce que je vais faire les gars, ce que je pense faire surtout, c'est éliminer tous les adversaires dans la zone et seulement après je vais m'acheter le Desert Eagle, enfin le revolver à lunettes, en espérant que tout se passe pour le mieux. Visiblement il y a déjà un fusil à pompe ici. Oh il y a un ennemi. Oh il y a des mecs. Oh mon 3. Vas-y vas-y, attends on va les atomiser mon ref, on va les éclater. Ah nice, il vient de l'éclater. GG Hydro, t'es un beau gosse. Et il y a un mec, il est juste au-dessus. Il vient de fouiller un coffre. Oh, le mec, il a dû se mettre bien. Nice, let's go. Ok, premier fight, les gars, on a réussi à le remporter. Après, les mecs, ils étaient pas très ouf. En plus de ça, on arrive à récupérer des golds. Nice, super. Oh là là, mais regardez-le. Il me met trop bien, Hydro. Il m'a donné des petits biberons. Vas-y, les petits biberons. Let's go, les frérots. On va directement se diriger à la station d'essence, juste là-bas, afin de nous procurer l'arme exotique. Oh, visiblement, il y a des mecs. Oh là là, les gars, il y a une team. Il y a une team à l'intérieur du bâtiment. J'espère qu'on va réussir à les tuer. Oh, il est juste là. Oh let's go. Il est juste là. Ok, j'ai réussi à lui mettre une balle. Vas-y, plus qu'une seule balle et il tombe au sol en vrai, hein. Ok, oh let's go. On a réussi à faire la team les gars, on est trop chaud. Ils avaient pas beaucoup de loot intéressant. Ouais non, ils avaient pas grand chose. Et regardez-le les gars. Non merde. Oh non, je voulais pas faire ça. Oh merde. Merde les gars, j'ai complètement foiré. Ok les amis, on est de retour à la petite maison dans le petit chalet. Oh, attends, il vient de trouver des slurps.
Attends, c'est moi ou Hydro qui vient de trouver des slurs? Oh le frérot, ah il régale. Les gars, Hydro c'est le meilleur teammate que je peux avoir dans mes vidéos, les gars. Vraiment, vous pouvez pas trouver mieux autre part, y'a pas moyen. On se rapproche doucement, délicatement du chalet en bois. Toc toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ça a l'air vide, hein, les gars, ça a l'air très très vide. Bah super, écoutez, on va pouvoir se procurer notre petit revolver, et ça c'est lourd. Et en plus de ça, les gars, j'arrive à trouver des gros shields et des mini potions. On a trop trop de chance. Vous savez ce que je vais faire, les gars? On va d'abord looter la zone, et seulement après, je vais aller m'acheter le revolver. Je pense que c'est la meilleure des idées. Comme ça, au cas où si on se rush, au cas où si je meurs pendant que j'achète le gun, au moins on évite la catastrophe. Ok les amis, on va s'acheter le revolver à lunettes. Let's go, c'est parti. Oh. Le mec il est insane. Non, il me l'a volé. Il me l'a volé, regardez-le. Non, non, rends-le. Ok, c'est bon, regardez-moi. Oh, il est magnifique, c'est une arme du coup de rareté exotique. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie, c'est incroyable les gars. Oh, mais du coup ça fait quoi? En fait on dirait un pistolet à lunettes un petit peu thermique. Je me suis pas spoil hein, pour cette vidéo, je sais pas du tout combien de dégâts il fait. 44, c'est pas ouf. Je vais check un petit peu la cadence pour voir s'il tire vite. Ouais, en vrai ça va, la cadence elle est pas insane, mais ça passe encore, je m'attendais un petit peu à pire. Mais ok, donc en fait visiblement c'est un pistolet revolver thermique. Ça va être incroyable les gars, j'ai très très hâte de le tester. Encore une grosse potion les gars, on se met super bien. Il y a un tactique vert ici, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà du coup là dessus j'ai pas mal de chance. Ce que je pense faire les amis, c'est monter tout en haut de la montagne. Au moins j'aurai la hauteur. Et si je peux faire des kills à distance facilement, je dirais pas non. Oh là-bas il y a un mec. Oh moins 44, ok. Moins 44, ok. Oh là 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 là, let's go. Oh putain mec, il a pris super cher à 174 mètres. Il est insane le pistolet les gars. Enfin, en fait à super longue distance c'est un peu compliqué de toucher l'adversaire. Faut avoir un minimum de shoot, je vais pas vous mentir. Et en fait à mon avis la petite particularité de l'arme, c'est vraiment le fait qu'elle soit thermique. Mais personnellement, bah je m'en fiche un petit peu. Oh là là, regardez mon shoot. Oh là là. Oh là là, regardez mon shoot. Par contre le moins 88 il fait mal hein les gars. Quand vous mettez des balles dans la tête, oh c'est fatal. Oh là là, mais let's go les gars, regardez-moi ça, c'est incroyable. Je vais aller le terminer, je sais pas s'il a du loot. Oh, il y a son teammate. J'aimerais bien le tester au corps à corps les gars pour voir si ça passe bien. Oh là là, let's go. Enfin ça va, en vrai l'énoscope les gars il passe super facilement. On a pu le prendre le kill sans trop de complications. Et on a même pas perdu de vie, ouais c'est ça limite, on a pas perdu de vie, c'est trop bien. En tout cas les amis, si dans cette partie on arrive à faire le top 1 directement, ça serait oufissime. Et what? Attendez les amis, regardez mon nombre de gold. Regardez, j'ai combien de gold? 666. Alors je sais pas du tout si ça va me porter chance ou si je vais me bouffer le karma de l'année les gars, que je vais mourir dans le top 2. En tout cas je l'espère pas du tout. Oh, mais mec, attends, bah jusqu'à maintenant j'ai trop de chance en fait. J'ai 666 de gold mec, mais j'ai trop de chance, c'est incroyable. On va quand même se mettre une grosse potion. On va pas prendre de risque les amis. 200 HP, hop, comme ça on est safe. Et je vais rester avec mon acolyte Hydro, fichu Hydro, Sarkel Bogos. D'ailleurs j'ai cru comprendre que dans Weeping Woods il y avait un monstre, comment il s'appelle déjà? Je sais plus c'est quoi comme monstre. C'est un Yeti, ouais je crois que c'est un Yeti qui est caché dans Weeping Woods. Oh, il y a un mec juste en dessous de nous. Je vais les atomiser, on va pas prendre de risque. What, ils sont trois? Comment ça se fait qu'il y a trois ennemis? Ah, ils ont peut-être recruté un mec. Il y a moyen qu'ils aient recruté le Yeti, vous savez. Nice, let's go. Ok, c'est bon, j'ai réussi à prendre le kill. Oh non, il y a un bateau. Il y a un bateau, les gars, il arrive, il est juste à côté. Faudrait que j'arrive à me mettre le kit de soin. Comme ça, je me remets directement full vie. Les gars, on est déjà dans le top 17 avec 7 kills, c'est énorme. Oh, attention, le kill peut-être. Let's go. Ok, moins 1. Il est où son allié? Ok, il est dans la maison. Il est toujours caché dans la maison. Ok, donc ça, les frérots, ça dégage directement. Oh là là, let's go. Le kill qui passe. Je l'ai atomisé avec le pistolet à lunettes. C'est incroyable, les gars. Meilleure arme du jeu. Meilleure arme du jeu. C'est pas du tout vrai, les gars. Ok, comme ça, je vais pouvoir réanimer Fichune Hydro, mon acolyte de cette partie, en toute tranquillité. En vrai, je vais lui dropper une grosse potion. Et il pourra même aller chercher le stuff des ennemis pour avoir plus de stuff, plus d'armes. Donc là-dessus, on est bon. Regardez-le, le beau gosse. Il est juste ici. Oh là là, quel beau gosse. En vrai, tiens, prends des constructions, ma gueule. Voilà, comme ça, on est bien. Je me demande si les gars, on peut améliorer une arme exotique. Ah ouais, il n'y a plus les améliorateurs. Ils ont retiré les améliorateurs d'armes malheureusement. En tout cas les frérots, j'espère que vous kiffez cette vidéo découverte des nouvelles armes exotiques. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus les gars. Ça m'aide énormément pour le référencement de cette vidéo, pour le référencement aussi de la chaîne YouTube en général. Donc là dessus les frérots, je vous fais confiance. Et le petit abonnement aussi les gars, si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, le gros bouton rouge avec la cloche de question. Au moins vous êtes sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Il y a les mecs en face. Ils sont toujours dans les constructions les gars, je sais pas
Où exactement? En tout cas, une chose est sûre, ils adorent les games de cache-cache. Oh là là, oh là là, le moins 88 qu'il s'est bouffé celui-là. Vous savez quoi, je vais pas prendre de risque. Hein. Moi, j'ai envie de faire top 1 avec cette nouvelle arme exotique. Nous, ce que je vais faire, c'est pêcher des petits poissons. Allez, donne-moi des gros poissons. Oh, sniper. Bah, en vrai, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. Vas-y, Hydro, si tu veux, prends-le, mon ref. Mets-toi bien. Oh, what the fuck? Un sniper légendaire. Wow, et les gars, le sniper légendaire, il va mettre trop bien dans la game. Et encore un poisson. Bah, en vrai, je peux les stack, les gars. Ouais, en vrai, les poissons comme ça, je peux les stack vu qu'il y en avait un deuxième juste avant. Oh, il y a des mecs juste là. Attention. Oh, oh, le mot 88 qui passe, c'est tellement violent les gars. Ok, on est bon. Ouais, par contre ils nous ont vu les gars, on est complètement cramé. Il me faut de la construction les gars, j'ai presque plus rien, j'ai presque plus de bois. Oh là là, la game elle est tendue les amis, ils sont juste derrière. En fait il y a tous les ennemis les gars, dites-vous actuellement il y a tous les ennemis de la map au même endroit. La meilleure idée, no joke, c'est de prendre la hauteur je pense. Ah bah nice, ils viennent de terminer mon kill. Ok les amis, je pense qu'on est top 2. Là normalement les gars on est top 2 avec 10 kills, c'est incroyable. Hop, on va allier avec Hydro et là mon pote on est bien. Oh vas-y go go go, moi j'avoue qu'on peut uriner, let's go let's go. On est en train de lâcher le focus de sa vie au mec. Après je suis bien tenté de les rusher avec mon fusil à pompe hein, je vais pas vous mentir. Ok, lui il est presque down, il est blanc, on va y aller. Vas-y, là je pense qu'il a compris le message, on va aller push en vrai. Je pense que c'est la meilleure idée. Je sais pas s'ils ont du son ou quoi, en vrai j'en ai aucune idée. Oh, oh. Oh, oh, peut-être, peut-être. Oh, let's go, nice, let's go. Victoire royale top 1 les gars, avec la nouvelle arme exotique pistolet à lunettes, incroyable. Incroyable cette vidéo. Non mais vraiment ça me fait trop plaisir, no joke, vraiment de faire ce top 1 avec la nouvelle arme exotique. Incroyable. En tout cas si vous avez kiffé cette vidéo, pouce bleu, abonnement, cloche de notification, tu connais. Et dans la boutique d'objets de Fortnite les gars, le plus important, soutenez un créateur, code créateur flou FLOO. Exactement comme le nom de la chaîne YouTube, ça me soutient énormément les frérots. Et puis sur ce je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez ciao.